So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Bon, au pire, de toute façon, je peux commencer et puis voilà, ils se ramèneront. Ils se ramèneront. Parce que, ouais, je n'ai pas tout mon temps non plus. Attends, les boutons sont inversés, bien sûr, forcément. Veux-tu en créer une? Wow, pourquoi il y a le texte qui sort déjà? Attends, ça va être pratique. Création d'un bloc de sauvegarde. Attends, j'espère que ça va juste pas planter en créant la sauvegarde. Ok. Lecture de la mémoire carte, carte mémoire. Alors, nouvelle partie. Bah, moi aussi j'ai pas encore mangé d'ailleurs, mais ça dépend des gens. Ils se ramèneront. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les moldus dormaient du sol. Oh putain, un grip badass comme ça avec sa moto. Une énorme moto, chevauchée par un véritable géant, perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son... Pour l'instant ça va, c'est les petits dessins parodiques. J'attends les images dégueulasses. Ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9¾. Harry Potter. Le monde des moldus. Harry mit le chapeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. Pas à Serpentard, dit le chapeau à son oreille. Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non ? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... Gryffondor. Gryffondor. Putain, je joue bon jeu, là. C'est bizarre qu'il y ait des petits dessins stylés. Ah oui. Ah oui, c'est le bon jeu. Oh, putain de Dumbledore. Oh là là, ce barbu. On dirait Gandalf. Putain, il y a le kia. Oh... Ce kiff. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Oh putain, la voix elle est pas du tout raccord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. À Poudlard, Harry. Et je suis la personne qui prononce le mieux de mon nom de tout le jeu. Derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester secrets. D'accord. Oh, cela me fait penser que l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Tout à fait. Forcément interdit, ce qui veut dire, avec cette voix que je note, c'est qu'il faut y aller au deuxième étage, parce que sinon tu ne pourras pas finir le jeu, en fait. Tu ne pourras pas faire comme dans le livre. Attends, on dirait trop qu'il a une voix de... Ah, c'est pas raccord, quoi. Oh. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut faire, déjà? Parce qu'on n'a pas de sort, de toute façon, mais... Putain, mais le hall... Nigo. Hein? Bras double. Bizarre. Quoi? Pinson. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Merveilleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me parles de pigeon? Alors, ça, c'est... D'accord, c'est les maisons. Gryffondor. Serpent. Pourquoi? Alors, en fait, Poudlard n'est... On n'a pas fini de construire en fait parce que les sabliers sont pas encore sur tous les trucs. Peut-être c'est une énigme. Peut-être est-ce une énigme déjà? De toute façon je peux rien faire. Bon, de toute façon là tout ce qui est verrouillé. Mais je visite un petit peu hein, juste pour voir à quoi ça ressemble. Voir la beauté de ce jeu forcément parce que
Quand j'avais joué sur GameCube au 2, ou même au 1, le hall était beaucoup plus grand. Beaucoup plus stylé. Mais bon, la PS1, quoi. Allez, vieux monsieur. Bon, par contre, je dis tout de suite, je découvre ce jeu, parce que même si je l'ai vu en vidéo, c'est quand même une découverte pour moi. Je n'ai jamais fini ce jeu, forcément. Ouvrir la porte. Ah, mais il faut le Leviosa, là. Leviosa. Oula, il dit quoi? Bonjour, j'ai vu un truc bug. Non, il y avait personne. Leviosa. Oh, je suis impatient d'être en cours. Pour ne pas mourir. Ouh, mais c'est pas des serpentards là-bas? Donc on se fight un petit peu? Non? Mais. Ah non. Cette cicatrice. Tu dois être le célèbre Harry Potter. T'as la voix de Brigitte Le Cordier. C'est Fred Weasley. Et lui, c'est mon frère George. Salut Harry! On a un truc à te proposer. Sur les murs de Poudlard, oh, tu verras plein de portraits un peu bizarres. Ils sont un peu bizarres? Derrière ces portraits, on a gâché des surprises. Les trajets de Bertie Crochu. Tout le monde ne peut pas y accéder. Il faut connaître les mots de passe. Nous. On en connaît un. Et si tu nous rapportes 50 dragées surprises au goût de poubelle, on t'attendra dans la salle commune. Oui, ça je connaissais déjà le coup de la. Celle qui se trouve derrière le portrait de la grosse dame. A plus tard, Harry. Nous. On fouille des poubelles pour des dragées surprises toutes jaunes. D'accord, Guillaume. De toute façon, je visite un petit peu. Bah, du coup, là, je suis censé aller là, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a. Dans la voix de Sangohan, quand même. Même la voix de Oui-Oui, quoi, c'est trop bizarre. Mais je crois que 50% des persos ont la voix de Brigitte Le Cordier dans le jeu. Ouais. Je pense pas que je peux déjà me barrer. Enfin, j'espère que je peux pas me barrer. Ok, d'accord, tout est ok. En fait, dans Poudlard, les salles où tu n'es pas censé aller, c'est qu'elle nazait. Comme ça, tu es sûr de savoir où aller finalement. Oh, Guillaume. Alors, du coup. Oh putain, c'était mon billet. Oh là là. Bon, je vais quand même aller chez la grosse dame. Mot de passe. Mot de passe. Leviosa. Draconis. Cette ouverture de porte. Attends, je suis déjà fan de ce jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouh, le tapis. Mais ce serait pas Hermione quand ici? Tu bois une potion Wiggenveld, tu régénères toute ton énergie. Épatant, non? Ah oui, c'est épatant. Le feu. Les canapés. Mais Harry, mais ce canapé ne serait pas deux fois plus grand que toi par hasard? Quand tu bois une potion Wiggenveld, tu régénères. Bah déjà j'ai pas trouvé comment on sautait, donc il faut que je peux juste grimper. Putain mais c'est plus des gamins hein, ce niveau là. Mais je suis un nain par rapport au canapé, c'est quoi ce bordel? Alors d'accord, pas de problème. Et non, ça c'est un sauvegarde. Non, c'est pas Hermione ça. Quand tu bois une potion Wiggenveld. Mais mec, c'est pas Hermione, elle a pas les cheveux comme ça. Épatant, non. Je suis désolé, c'est pas Hermione. Bon, est-ce que je peux se regarder sans que ça bug? Ok, parfait. On a qui? C'est Neville ça, je pense. Si tu sens que tu manques un peu d'endurance, mange un choco grenouille. Mange un choco grenouille, ça te redonnera des forces. Sérieux? Bon, on verra. Lire l'affiche. Veillez à la propriété de la salle commune. Non, mais on verra plus tard, mais je suis sûr que c'est pas là. Consultez-le. Il y a un livre sur cette... Ah d'accord. Le livre qui fait la petite table. Stylé. Ah ouais, c'est le livre des cartes de sorcier, là. Les villes l'ont du bas. Ah, le dortoir des filles, il est où? Par pas les objectifs de vue. Attends, c'était pas un escalier, d'accord. Donc en fait, on va se faire foutre, en fait. On va toujours... On dort dans le salon, finalement. Ou alors il y a vraiment un moyen de... Putain, c'est tellement... Ok, non. Ou alors, il faut inspecter un truc, lire la gazette du sorcier. Le cambriolage de Gringotts. De Gringotts. L'enquête sur le cambriolage de la banque Gringotts se poursuit. De Gringotts. La piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Dans les milieux de la magie noire, je suis un bon détective. On répétait que rien n'avait été volé. La chambre forte fracturée avait en effet été vidée le jour même.
Ils ont en revanche refusé de répondre aux questions concernant son contenu. Ah, stylé. Franchement, t'es un grand lecteur, Harry. Harry, tu es un grand lecteur. En plus d'être un bon sorcier. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais lancer des flippendo, des avacadabra, des trucs comme ça. Donc je peux glisser sur les escaliers. Ah oui. Oh putain. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Dans la caméra. Par contre, c'est pas... Oh, quoi qu'elle est même mieux que dans Mario 64. Alors du coup... J'ai juste envie de... Attends. Oui, oui, d'accord, ok. Parfait. Arrête, c'est trop stylé. Bon. C'est pas tout ça, mais... En fait, je devais vraiment rentrer là-dedans pour vous donner un truc. C'est juste les goûts de poubelle que vous oubliez de... Ah, donnant. Je te dirai le mot de passe du portrait quand tu m'auras rapporté 50 dragées surprises. J'oubliais. Méfie-toi de Drago Malfoy, serpentard. Drago Malfoy. Il paraît qu'il a volé des affaires à des élèves de Gryffondor. Putain, c'est marrant, ça. Caput Draconis. Parce que ils veulent que je cherche des trucs pour eux, pour le mot de passe, mais je l'ai déjà, finalement. Dans la bibliothèque. Dans le dortoir, du coup. Putain, j'arrive même pas à voir. Attends, ça, c'est une bibliothèque. Je vois mal, en fait, sur... Je vois mal, en fait, des fois, les graphismes, mais attends. Attends, je vois pas bien. Je vois pas bien. Est-ce que c'est une bibliothèque, ce truc? Oui, mais derrière. Y'a rien derrière la bibliothèque. Si tu parles de celle-ci. La 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 la. À côté de Fred et George. Ah. Autant pour moi. Je peux pousser ça? Non. En fait, je peux pas encore... Attends. Ah! Wouah! Ah, d'accord. Sympa. Merci. Dans ce qui c'est Dumbledore, mon préféré. Consultez la gomme de cartes. Oh. Vous avez débloqué... Merlin l'Enchanteur. Moyen Âge, dates inconnues. Le plus célèbre sorcier de tous les temps. Également connu sous le nom de Prince des Enchanteurs. Membre de la cour du roi Arthur. Stylé. Merlin qui brille. Et même les chargements sont... Enfin, j'allais dire qu'ils sont pas si longs que ça, mais il y en a souvent. Quand même. Ok. Ce qui est stylé, c'est que... Passage secret partout ici. Nanana, nanana, nanana. Putain, j'ai l'impression que... Le live commence à bader sur mon ordi qui rediffuse. Alors ok, bah pas de problème. Bah, vu qu'il faut fouiller un petit peu, de toute façon je vais fouiller un peu partout. Mais du coup, je me demande un truc, c'est que dans le... Oui, je prends du temps. Dans le dortoir, j'ai pas essayé d'examiner avec... Le même bouton que pour le passage secret, donc ça se trouve, il y a peut-être des trucs. Caput. Ouais, ben là, ça me dit rien. Oh non, j'ai pas envie de sauvegarder. Casse-toi. Putain, mais j'ai rien fait, j'ai déjà fini à 100%. Il est bizarre, ce jeu. Quoi. J'ai pris une carte. Ouais, non, il y avait juste lire les affiches, et puis... voilà, on s'en fout. Dans ce qui manque par rapport à Mario 64, puisque je dis ça, parce que j'y ai joué ce week-end, c'est que... Faut pas faire des long jumps. Attends, Harry fait des long jumps, c'est ça, stylé. Et c'est parti. Attends, pourquoi il y a un truc qui clignote? D'accord, c'est des flammes. Oh! Bonjour madame. La 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 la
Donc je m'approche de Serpentard finalement. Mes ennemis jurés, Drago Malfoy. Ouais, donc en fait, tout ce qui est passage secret, c'est bibliothèque qui est enfoncé, finalement, j'imagine, parce que ça. Non, mais. Je voulais juste voir un truc. Peut-être si on peut pousser des trucs. What the fuck. T'accroches pas, Harry. C'est pas la porte qui est la bibliothèque, Harry. C'est une bibliothèque plein de livres. Hey Harry, oh c'est moi, Ron Wesley, tu te rappelles de moi? Ron Wesley, putain. Drago Malfoy, ce serpentin de malheur, vient de passer sa porte en courant, avec un hibou sous le bras. Je suis presque sûr que c'était Edwige ton hibou. Oh là là. Il faut le rattraper. Quel enculé. Putain, même si j'ai vu sa gueule plein de fois, ça me fait toujours le même effet. Quel beau gosse. Putain, c'est cool le premier jour quand même, hein. Allez, viens, Harry. On doit retrouver Edwige. Ron, pourquoi t'as fermé la clé ? Regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter ? Harry Potter ? Tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Et ici, tout le monde me respecte. Tu cherches ton hibou, peut-être ? Vu ta tête, on dirait pas que t'es respecté, gros. De ta part, le laisser traîner sans surveillance. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. Mais wesh ! Tu me parles comment, là ? Tu me respectes, Filippendo ? Flipendo. Oh bah, on peut pas faire Flipendo. Ouais, les contrôles, ouais, c'est un peu de la merde. Donc en fait, il vient de nous insulter, et puis il faut juste aller le retrouver pour lui péter sa gueule. Encore ce misérable. Ignorons-le. Entre Gryffondor, il faut se serrer les coudes. Tout à fait, Ron. Je suis d'avis. Hermione Granger, oui. Bon, je l'ai entendu. Suis-moi, Harry. Pour escalader, pousse le joystick analogique vers l'avant. Ou appuie sur la touche pour avancer. Comment briser le quatrième mur? Oh putain, c'est vrai que maintenant, il y a plein de gens qui font ça. Le JDG, Benzaï. J'ai connu par Benzaï ce jeu, finalement. Non, Ron, d'abord, je regarde s'il n'y a pas des trucs ici, par hasard. Tu sais que j'ai pas eu besoin de temps pour faire ça, Ron. J'ai déjà glissé sur les escaliers avant que tu sois né. Allons-y. Non. Eh, hey, tu me donnes pas d'ordre. Écoute, moi je suis le produit Flipendo, même si je peux pas encore en faire. Peut-être dessous. Non. T'as le mec qui fait exploration dans Poudlard. Suis-moi. Oh, il y a une plume. Oh, les oh putain, sauter, il courait comme un joueur de foot. Et pousse le joystick analogique vers l'avant en continu. Ah bon? Ah bah oui, bah comme tous les Harry Potter finalement. Et qui es-tu? Putain, on dirait Malfoy mais en plus gros. Et avec moins de cheveux. Ok, donc si... D'accord. Regarde, une autre plume. Toi tu continues et tu retrouves Edwige, moi je fonce à l'entrée et je fais le guet. Bah fais le guet. Vas-y. Pas de problème mec. D'accord. Je t'attends. Oh la plume. Je me saoule avec le bruit. Décor. Ah. Qui m'entoure. Ah d'accord. On arrête de faire le con. Voilà. Voilà. Une plume de phénix. Depuis quand ça ouvre les portes? Harry le crocheteur de portes ou quoi? What the fuck? Donc bon, j'examine de toute façon. Si je sais qu'il y a rien. Oh! Bonjour Harry, je me présente, je m'appelle Lucasie Tornay, je suis le patron des Gryffondor. Qui a pu construire une pièce avec un plafond aussi haut? Enfin, en tout cas, vous devez grimper jusque-là pour sortir. Vous jetez un coup d'œil aux alentours, appuyez sur la touche triangle, et vous avez fini, appuyez de nouveau sur la touche triangle. Pourquoi il a pas de voix? C'est parce que c'est un fantôme qu'il faut pas lui mettre de voix, il y a... Dans le film, il y en a. Allez, là, ça commence le jeu de plateforme, là. Alors, on a qui, là? Il me fait penser à quelqu'un de connu, mais je sais plus. Là, on dirait Chap...
Alors non, on dirait un anglais. J'allais dire Chaplin, mais pas du tout. Non. Non, mais ça fait penser à un anglais avec des lunettes. Oh putain! Il faut courir! Harry! Tu dois courir, Harry. Pas comme un handicapé, Harry! C'était vraiment ton max, Harry? Juste avant, tu m'as fait un saut de malade. Comment tu peux ne plus faire de saut de malade? Ouh. Beau gosse, beau gosse. Ah, je risque pas d'avoir promené dans d'auteur pour la musique. Wow, on dirait qu'il a la gueule de... Un mix entre Rusa et puis l'acteur qui fait Watson dans Sherlock Holmes, ou bien le Hobbit là, avec les cheveux longs. Enfin, très très vite fait. Ouais, non, entre eux, non, pas du tout en fait, pas du tout. Et là, on dirait. Wow. Je sais pas. Mais Harry, tu sais que tu peux. T'es fatigué à ce point là? Tu peux pas sauter? Va te péter à la gueule contre un arbre? Une choco-grenouille! C'est magique. J'ai déjà appris le halo moral. Attends, mais je devais pas rejoindre Ron en fait, merde. Parce que là, j'ai avancé en cours de magie. Des escargots se sont échappés d'un cours de soins aux créatures magiques. Soyez prudents, leur poison est redoutable. Appuyez sur la touche croix pour lancer un Flipendo avec votre baguette. Flipendo. Ça devrait vous débarrasser des obstacles et des gêneurs. Des gêneurs. Et faites très attention aux traces empoisonnées laissées par les escargots venimeux. Putain, ils sont énormes. Oh, je peux faire des flipendo. Flipendo, flipendo, flipendo. Et il dit pas flipendo. Flipendo, 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 flipendo. C'est génial. Flipendo. N'hésite pas à utiliser les touches L2 et R2, pour effectuer des rotations de caméra. D'accord. Attends, mais je viens de là du coup. Flipendo, flipendo, flipendo. Qu'un soir pour Gryffondor, vous avez nettoyé le château. C'est tellement surréaliste. Attends, mais les flipendo, c'est comment ça consomme de la magie? Je regarde un peu les. Oh! Non, j'allais dire un truc, mais non. Putain, mais. Ils sont marrants ces portraits. Mix entre Beethoven et Wolverine avec les petits les petits favoris là, comment on dit les rouges, je sais plus, enfin les trucs qu'on a à la fin des cheveux, à l'après des joues. Il y a un petit surnom pour ça. On flaquette, je crois. Et ce serait pas the fuck. Ça, il me fait penser à un acteur dans Malcolm. Et là, on dirait clairement. Ah, un petit délire de Jafar et de Simon Astier. Putain, je fais des mix improbables. Appuie sur la touche triangle pour regarder autour de toi. Ah bon? Dans cette vue, tu peux également lancer un Flipendo Repousse-Tout. Cherche un objet sur lequel t'exercer à lancer ton Flipendo Repousse-Tout. Un Flipendo Repousse-Tout? Flipendo. Ouais, c'est juste dans les autres jeux aussi, c'est comme ça. Attends, ça c'est. Flipendo. Ok, et si je fais ça? Flipendo. D'accord. Sinon, il y avait quoi d'autre comme tableau? D'accord. Ça ne me dit rien. Ouh, la gueule qui. Ouh là là.
On dirait vraiment une photo de l'époque et ils ont rajouté un visage dessus vite fait. Trop chiant, trop chiant. Ouf. Attends, mais y'a. Désolé pour vous, les gars, mais y'a du niveau. Ce serait pas Gimli là-bas? Oh putain, la barbe qu'il a. Tiens, vous revoilà. Avez-vous remarqué le scintillement des escargots venimeux? Oui. Tout ce qui scintille craint votre maléfice de Flipendo repousse tout. Le Flipendo repousse tout. Vous pouvez le déplacer à l'aide du maléfice de Flipendo repousse tout. Pour déplacer un Magibloc, lancez un Flipendo. Oh, bah merci. Lancez un Flipendo. Ah, y'a une grenouille. Non, j'ai vu une grenouille. Mais du coup, ça doit juste suivre le chemin, du coup je peux pas aller là-haut, parce que sinon ce serait trop drôle. Enfin, je crois. Oui, non. Si je fais ça, ça marchera plus. Okay. Ah! Harry! Hey, que fais-tu? Ok. Bon, en fait, pour l'instant, c'est pas si terrible que ça. Les contrôles. Oh putain, le rat. Je l'ai pas vraiment vu venir, en fait. C'est tellement sombre, mon écran. Oh! Attends, on va niquer les rats, on va niquer les rats. 30 points pour Gryffondor! Génial! Salut Jaskus, comment ça va? On s'amuse. Monsieur Harry Potter PS1. Wow. Putain, mais y'a l'organisation 13 dans ce jeu ou quoi? Putain, Ron, c'est bien de faire le game, mais faut peut-être m'aider. Vous êtes parvenu jusqu'ici? Impressionnant. Regardez donc ce qui vous attend à présent. Oui. Pour un magibloc aussi gros que celui-ci, vous aurez besoin d'un Flipendo repousse-tout concentré. Pour concentrer l'énergie d'un repousse-tout, oui, tes yeux. Tenez la touche. Arrête, c'est trop beau. Puis relâchez-la d'un coup. Ok. Bon, sinon je viens de remarquer un truc. C'était... Non, c'était pas ça. Parce que j'ai remarqué qu'on voit pas trop les messages du chat finalement, donc je vais essayer de virer un truc. Enfin, pas de virer, mais de... baisser la luminosité, donc ça doit être ça. C'est toujours plus beau quand on est jeune, mais après, ça dépend à quelle version t'as joué. Si t'as vraiment joué PS1, c'est clair que c'est pas pareil, mais... Il est où ce truc? Bon, le son s'est barré, désolé. Ah oui, c'est là. Hop. Moi, j'avais joué sur... sur GameCube. Bon, on s'en fout, on arrive à lire. On arrive à lire. Donc finalement, c'était pas le même. Il était beaucoup plus joli, ce GameCube. Wow. Rayon magie. Kamehameha! Hadouken! Flipendo! D'accord, bah PS2 normalement c'est pas le même, enfin c'est un portage différent et plus joli. Non, y'a rien ici. Oh, mais les voix sont bien dans ce jeu, c'est pour ça que je fais ce jeu en partie. Ah, mais attends. Espèce de savonnette, il y avait rien de caché. Putain, mais il y a des chocos grenouilles à chaque fois. C'est que je prends pas le temps de les avoir, bon, pas grave. Allez, Harry! Donc je peux pas parce que j'oublie un truc. Ah oui, non. Bravo, Harry! Putain, j'ai croisé personne depuis longtemps. C'est quand même suspect. Salut, je m'appelle Neville Londubat. Neville! Pourquoi m'entraîner jusqu'ici et ensuite? Il a pris un passage secret avec un hibou sous le bras. Et maintenant, je suis pris au piège de ses livres ensorcelés. J'ai perdu ma baguette, alors forcément, je ne peux pas me débarrasser de ces livres en leur jetant un Flipendo. Ah, j'ai perdu ma baguette, je peux pas faire un Flipendo. R1 pour orienter ta baguette vers ses livres volants. Puis lance-le. Comment il t'a entraîné jusque-là, Neville ? Sur la touche croix. Ah. Malfoy. Quoi ? Oh ! Oh là là.
Moi j'avais aussi le 1, 2, 3 sur GameCube, le 3 je l'ai jamais fini, mais je pense que le but c'est de façon de faire des Harry Potter les plus... Wow. Les plus pourris possibles, donc je ferai pas ce que j'ai fait en avant, je pense. 50 points pour Gryffondor. Il y a un levier par levier par levier par levier par levier. Alors il a bugué parce que je déplace la fenêtre en même temps, désolé. Là, je l'ai trouvé. D'accord. Pique-moi. Ça fait un mix genre le par ici, par ici. Je viens de me voir avec l'ardif. Bon. Vous pouvez pas ranger un peu vos livres là? Oh là là là. Ah bah là 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 là. Je fouille. C'est aussi désert que ça, Poudlard. Putain, y a des millions de salles et tout. Ça pourrait servir, je sais pas, à plein de gens. Mais non, y'a personne. Il ressemble à quoi? Alors explique-moi où t'as trouvé ton levier, Neville, parce que moi j'en vois pas. Alors, c'est magique, voilà. C'est magique ta gueule, sûrement. Au 4, moi, j'ai fait le 4 sur Game Boy Advance, et puis 2, je l'ai fait aussi sur Game Boy Color, mais je l'ai pas fini, mais majoritairement GameCube, hein, finalement. Le 1, c'est le seul que j'ai fini sur GameCube 2, je suis allé assez loin. Edwige, c'est toi? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce que la paix et sainte t'a fait? Bon, je vais redéplacer la tête, ça bugait. Voilà. Ok. C'est toi le boss final, c'est ça? Avec ton flipendo concentré, tu dois pouvoir libérer Edwige. Maintiens ah, je suis pas sûr. Enfoncé pour lancer un sort. Attends, il s'est fait chier à me troller quand même. Malfoy. Enfin, Malfoy, pardon. Flipendo! Ah, la magie. Neville, il se barre, rien à foutre. Je suis en retard à mon cours.